Là, en général, quand tu les mets en place, t'as toujours un gars qui vient de se couper. C'est systématique. La loi mathématique du pas de bol. Bon, je vais mettre la voiture tout de suite, comme ça, ça sera réglé. Tu mets... Ah oui, mais là, faut que tu mettes ton bus, là, du coup. Ah oui, les barrières d'abord. Oui, d'abord les barrières d'abord. Il était temps. Oui, il était temps. Du coup, tu t'installes là? Ouais. Voilà, c'est ça, on s'installe là. Ouais, c'est bon. Des trucs à faire, c'est des trucs, voilà. Sinon, il y a toujours des coups de bois. C'est sûr. On a chanté, c'était déjà un jour. Ben voilà, il y a le branchement juste à côté. Oh! Ma femme qui vient chercher son là-bas, tout chaud. Tout chaud. Oh, son gène. Tout chaud. Allez. Patrick. Vous voulez pas de coup de main? Bah non. C'est cool. tu peux sortir les rallonges, je pense. Oui, je suis sorti. Et là, il nous reste le plus simple, le plus facile à faire. Ouah. Là, il y en a de tomates, il y en a de... Donc ça, ça va être éclairage façade. Hein? Ça, c'est bon, je suis ok. Ah putain, mais c'est ça qu'il fallait, c'est des barrières autour de ça. Ben oui, de toute façon, il y aura la table. On va mettre une table. Ça ira pour la table, on met pas de barrière alors? À Noël. Sinon, on peut sortir les deux barrières du bus agriculture, quoi. Ouais. Bon, il y a deux barrières à aller chercher. Je surveille. Je mords, hein, si on me touche, hein, attention. Excellente soirée à tous. Je vous rappelle que la fête de la musique, c'est partout en France depuis 1982. Mais c'est la première fois que d'une petite ville au fin fond du département de l'Allier organise la fête de la musique pendant une semaine. C'est parti, c'est tout de suite avec le duo Escale qu'on applaudit. Thank you.
uniquement la période médiévale. Et à l'ombre. Et à l'ombre. Et on va essayer de faire des stations qui vont être, voilà, qu'elles soient à l'ombre. Alors on va démarrer du 12e siècle, période des remparts. Les droits des différents commerçants, c'est-à-dire le droit, la charte aussi d'indépendance qui permettait aux châtelains et aux échevins de diriger la ville. Château de l'époque médiévale, puisque on a de la chance, on va laisser la combien il y a 7. En attendant, je vous laisse admirer l'épaisseur des murs et des meurtrières. Donc ça ici, ce qu'on appelait le château était en réalité le logement des fermiers généraux des ducs de Condé. Donc là, on est à la période de la Fronde. Le château, celui qui nous concerne, ce donjon médiéval, était derrière. Donc on va faire un petit tour et on verra que ce château était entouré de fossés au sein même des remparts. Donc les remparts ont été un petit peu comme une auréole, on va dire, autour du foyer d'habitation. Alors voilà donc ce fossé intérieur muni d'un pont-levis avec herse, donc voilà, tout bien comme il faut, selon les règles. Alors les règles, c'est une femme qui a établi les règles de la défense, c'est Christine de Pisan, et vraiment, quand on regarde, elle a fait pratiquement, quand on veut assiéger une ville, ça c'était pendant la guerre de Cent Ans, elle faisait une liste de ce qu'il fallait. Il faut tant de boulets, donc il faut tant de flèches, il faut tant d'arbalétriers, il faut construire... C'est vraiment une liste de courses. Alors, si l'assaillant, il y a plein de personnes, on estime, ben, il vous faudra acheter tout ce matériel ou fabriquer. Ah oui, c'est une femme qui était un très très grand stratège. J'avoue, vous nettoyez, on parle d'aller, parce que ça ne fait pas si bien.
Je vous la fais visiter, mais elle a été quand même beaucoup restaurée, compris le carnage. Mais souvent, on se demande ce qu'il y a derrière cette porte. Et là, c'était l'occasion de se prendre un petit peu le frais. Voilà. Donc, c'était là, aussi à l'étage, qu'il y avait donc les lieutenants généraux. À partir de la Révolution, et apparemment, donc, était dirigé par un général Thoreau. Et apparemment, cette brigade était très demandée parce qu'elle intervenait sur Charenton quand il le fallait, dans les villages aux environs. Mais, je recherche un peu. Ah oui, c'est aussi aux archives sur le terrier, on peut trouver ça sur le terrier, savoir que c'était les anciens propriétaires. Merci beaucoup, public en délire, merci beaucoup. Mais on s'égare de la période médiévale, on va aller tout de suite vers l'église, donc, qui est sous le vocable de Saint-Étienne. Les églises qui sont sous le vocable des diacres attestent de l'ancienneté du culte à Neuchâteau. Alors on peut imaginer que Neuchâteau s'est bâti quand même sur un site peut-être gallo-romain, à la croisée d'un carrefour, un endroit de passage entre Cône, Sérilly et Dun-sur-Auron. Le troisième cimetière a été à la place du monument aux morts. Mais de nouveau, c'était un cimetière paroissial. Mais à la Révolution française, c'était plus un cimetière paroissial, il fallait le cimetière municipal et qui est à l'emplacement actuel. Donc le cimetière à la place des monuments aux morts, il n'a pas duré longtemps. C'était, je crois qu'il n'a même pas duré 100 ans. Et après, ben, voilà, c'était un hommage à d'autres morts. Et tout ça, je vous parle donc de la peste. Et Saint-Roch a été édifié en 1620, justement au moment de la dernière peste. J'avais senti de dire bonjour à n'importe qui, n'importe qui est sur le bord, et je t'ai dit n'importe quoi, qui suffisait de te parler, ta vie passée. Thank you.
là-bas, une table. Ah bon, bah alors, pas ailleurs. Ça va être dur ici. Se débrouille bien là. Pénible sonnet. Bravo. Thank you.
Nous avons 5 équipes, 5 tables. Nous avons. Alors, c'est un par là. 1, 2, 3, 4, 5. Faites du bruit, la table numéro 1. Faites du bruit, la table numéro 2. Super. Faites du bruit, la table numéro 3. Faites du bruit, la table numéro 4. On a gagné déjà. Faites du bruit, la table numéro 5. C'est bon, je garde le micro de la table numéro 5 pour me dire de quoi. Alors, voilà comment ça va se passer. Nous allons vous dire les 5 catégories auxquelles vous allez participer. Et Isabelle, notre juge suprême, qu'on peut applaudir, elle fait un travail remarquable. On compte toujours énormément sur elle parce que déjà premièrement c'est la trésorière du Bistrot Culture donc, et surtout qu'elle a l'habitude de toujours compter tout donc elle compte tout, voilà. Je vous annonce les noms des séries. Vous allez avoir une série de génériques de dessins animés. Vous allez avoir. C'est quoi cette musique que j'entends là? Ah oui, vous allez avoir donc les villes en chansons. Donc il faudra trouver le nom d'une ville. Nous n'avons pas trouvé de chanson qui s'appelle Aîné le Château, donc c'est pas la peine de crier ça chaque fois. Voilà. Nous avons aussi après les prénoms. Donc attention, prénom garçon, prénom fille. Nous avons les tubes de l'été de 1975. Attention, il y en a plein qui sont passés. Je suis imbattable. Les tubes de l'été 1975, je suis imbattable. Le son est bon, c'est bon, tout le monde entend. Alors attention, chanson numéro 1. Julien Doré. Paris Seychelles, c'est ça, non? Et ouais, vous avez rien vu venir là, tous là. Oui. Équipe numéro 3, 1 point. Voilà. Deuxième test, attention ça va aller très très vite. Versailles. C'est vous qui Luçon. Bah ouais, mon Luçon. Qui te revient à Luçon. Oh, c'est bon. Nouveau truc. Hop. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong Star, numéro 3. C'était pour voir si vous suiviez. Table numéro 4, évidemment. Bientôt. Et encore. C'est de bonnes choses. Manhattan, Kaboul. La numéro 2. Là, il y a triche. C'est pas trop. La numéro 2. Non. À peine. La merde. Hurlé Boris. C'est la 3. Je suis désolé. À la première. Boris.